Salut tout le monde, c'est Onitongi et aujourd'hui on se retrouve pour le je sais plus combienième épisode sur Terraria. Aujourd'hui épisode spécial car je vais parler de la chaîne, de ce qui va se passer maintenant. Alors déjà, vous avez beaucoup remarqué que je fais de moins en moins de vidéos sur Minecraft sur Xbox. Pour une raison très simple, je vais peut-être en dégoûter certains. Comment dire, j'arrête le let's play. Certains vont me dire pourquoi tu fais ça? Bah, je vous explique. Minecraft, c'est un jeu très bien, mais le problème, c'est que moi j'ai tout fait, du coup, j'ai plus rien à faire, et du coup, bah, du coup, ça m'ennuie maintenant. Du coup, bah, pour ceux qui vont être déçus, ne vous inquiétez pas, je connais toujours la série des inventions. Ou bah je ferai des inventions. J'en ferai un petit peu plus que d'habitude. Oh, un arc en fer. Non, je vais faire une épée courte en... Non, une épée longue en fer. Bon, sinon je voulais dire. Du coup, je ferai un petit peu plus d'épisodes. Enfin, j'essayerai de faire un petit peu plus d'épisodes d'inventions, mais c'est pas sûr. On remet le fer. Et en fait, bah du coup, bah ça, je vais en décevoir certains, mais c'est mon avis. Si jamais un jour ça je veux refaire, bah peut-être que je referai des épisodes dessus. Mais pour l'instant, pause. Aussi, je ferai aussi. Je vous comprends pas pour le sondage de pourquoi vous aimez moins Terraria. Bon, sinon, du coup, j'ai essayé de faire un petit peu plus de vidéos, car comme j'ai pas toujours le temps, je vais faire une vidéo de Terraria. Je vais essayer d'en faire une tous les jours, mais c'est pas sûr. Je ferai une vidéo d'invention à certains moments, c'est pas sûr. Oh, un oiseau bleu! Oh, c'est tellement rare pour la pêche. Oui, parce qu'on peut pêcher dans le jeu. Oh, on peut pas faire de filet de papillon. Bon, tant pis. Et du coup, bah, j'ai. Oh zut. J'essaierai si possible de faire des épisodes d'invention. Je vais peut-être commencer un nouveau let's play sur un jeu d'horreur. Mais bon, comme je suis un énorme trouillard, comme vous avez pu le voir dans la vidéo numéro 2. Tiens, d'ailleurs, je sais, c'est épisode 3. Et ben, vous avez pu voir que je suis un gros trouillard. Bon. Du coup, aujourd'hui, on va aussi partir en minage. À quoi ça sert que j'ai cette pioche, vu que j'en ai une mieux? Voilà, une pioche en fer. Du coup, je vais mettre ça. Voilà. On va partir en grotte. On va commencer par où? Ou sinon, non, on n'est pas encore assez près. Non, vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. On va faire la maison du PNJ aujourd'hui. Parce que si on leur fait des maisons, bah. Oh, désolé. Oh, j'ai pas tué de lapin. Ah non, ils sont moins résistants. Je vais faire la maison du PNJ. Pour que comme ça, il y en ait d'autres qui puissent venir. Du coup, voilà, on mine encore les arbres. Si jamais ça prend un petit peu trop de temps, je vais faire une ellipse. Dans la dernière vidéo sur Just Cause 3, il y en a beaucoup qui trouvaient que je faisais beaucoup trop d'ellipses. Mais en fait, ouais, c'est. Si je mets pas d'ellipses, les épisodes durent beaucoup plus longtemps, du coup. Quand je remarque ma vitesse, alors que mes trucs font que je vais plus vite, je me sens. Ah, quand même, c'est pas mal, je suis rapide. Il y a tellement d'oiseaux que je peux pas avoir. Ah. Bon. Allez, est-ce qu'on a du bois? Ouais. Alors, pour une maison de PNJ, il faut qu'elle soit de 6 de hauteur et de 10 de largeur. Une chaise en bois et un établi. Et il faut des murs. Voilà. On va faire la maison. On va préparer le terrain aussi. Toc, toc, toc. Voilà. On prépare le terrain. Du coup, on va faire la maison. Je vais la. Ah, oh, petit lag. Je vais la faire là. Désolé pour les arbres que j'avais plantés. Là, non. Faut pas que je mine en dessous. Bon, toc.
Toc. Et. Toc. Et on élimine tout ça. Oh, encore un lag. Oh, un verre. Oh non, les verres, c'est utile pour la pêche aussi. Bonjour, monsieur l'écureuil. Il y a trop d'oiseaux que je peux pas avoir. Bon, on fait la maison. Du coup. Zut. Donc, regardez. Un. Attendez, j'ai une meilleure idée. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait la même chose de l'autre côté. Cette maison n'est pas pour moi, je tiens à le préciser. Toc, voilà. Bon, là, là c'est juste le début. Du coup, ensuite, on fait les portes. Voilà. Toc, toc, toc. Ah oui, maintenant, on passe aux portes. Tac et tac. Est-ce que j'ai des torches? Oui, il faut aussi des torches dans la maison. On va mettre les murs. Alors, les murs, regardez, c'est super bien fait. C'est ce qui est derrière, en fait. Et en fait, du coup, ça fait un jeu 2D, mais aussi 3D. Bon, on a fait les murs. Maintenant, plus que la fin. C'est-à-dire qu'on va placer les torches. Je crois que j'ai pas fait la maison assez grande. Voilà. Et voilà. On va placer une chaise là. Et l'établi. Non, il est trop loin. Ah, encore un lag. Dis donc, il y en a beaucoup. Encore trop loin. Voilà. Et voilà, on a fait une maison. Je calcule, car on sait jamais. Voyons voir. 1, 2. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est bon pour la hauteur. Voyons voir pour la largeur. Du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, normalement c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils veulent bien la maison. Eh, le slime, tu te calmes, ok? On va remettre, du coup, les outils qui ne servent plus. Du coup, ça. On prend ça. Le gel, on va le remettre. Et c'est parti pour l'aventure! Tac. Et tac, voilà. On va partir miner maintenant. Quoique. On va préparer une autre maison au cas où. Bon, je vais faire une pause cette fois. Ellipse. Attendez, ellipse. Re, les amis, je suis de retour. J'ai fait quelques maisons. Et regardez, quand la maison est parfaitement mise, il y a ça. Bonjour, Adam. Il y a un drapeau avec la tête du personnage, ce qui veut dire que la maison lui appartient. Là, j'ai fait deux maisons d'avance au cas où un autre PNJ arrive. Moi, je pense à un PNJ en particulier. Bon, je vais déposer de l'argent pour être sûr. Oh, déjà ? Non, parce que là, je viens de penser, avec 50 pièces d'argent, normalement, il y a un PNJ qui arrive. J'ai remis mes trucs d'ailleurs ici. Au fond. Du coup, on va partir miner. Toc, 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 toc. Bon, je vous retrouve quand j'ai trouvé une grotte. À tout de suite. À tout de suite. Re, les amis. Bon, en fait, c'était pas très loin de trouver une grotte. Du coup, on va l'explorer. À coup. On va jeter ça. À coup de torche. Hello? Ça me gêne. On va poser une torche. Ah! C'est vrai, j'ai des bottes pour marcher sur l'eau. Oui. Il y a 5 cristals de vie. Des potions. Un bâton lumineux. Alors, ce qui est bien avec les bâtons lumineux, c'est que, regardez, si j'arrive à le prendre,
Ah! Voilà, c'est que ça éclaire aussi dans l'eau. Par contre, je viens de remarquer que je vais me noyer. Bon! Ah! Ouh, attendez. Une statue d'étoile, ça sera utile pour plus tard. Boule, 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 boule. Et ce qui est super bien fait, c'est que regardez, l'eau, là, elle s'en va. Alors, l'étoile d'araignée, c'est... Il y a une armure au début qui est plutôt bien avec l'étoile d'araignée. Une statue bombe. Ah, ça va être très utile aussi. Bon, bah, du coup, on va aller dans les grottes de glace. Voilà. C'est un cul-de-sac! Je vais crever. Je suis désolé, les amis, mais là, non, j'étais en train de mourir. Bon, on met les statues. Toc, 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 toc. Voilà, on réutilise le cristal. Voilà, on a de la vie en plus. Bon, du coup, c'est pas mauvaise heure pour trouver les grottes. On y retourne, mais cette fois, au lieu de... Ah, il y a quelque chose par là. Voilà. Allez, on part par là. Si ça se trouve, il n'y aura absolument rien. Ah, il y a un truc. Un pot. Avec de l'argent. Combien? Ça y est, on a un PNJ normalement. J'ai juste à rapporter l'argent, à le mettre sur moi et on aura un nouveau PNJ. Toc, toc, toc. Ah, du plomb. C'est long. Vous permettez? Abracadabra. Bon, on va mettre le plomb à cuire. Voilà. Là. On va le mettre là. On va récupérer l'argent. Et regardez, normalement, il y a un nouveau PNJ qui va venir. Attendez. Ouais, non, il y a un nouveau PNJ qui va venir. On va lui demander. Ouais. Ah voilà, 50 pièces d'argent. Et regardez, j'en ai 52. Du coup, ça devrait suffire. Et le soleil va se lever. Du coup, on va devoir arrêter la vidéo. Alors, si ça se trouve, elle va être super courte. Oh, un petit slime parapluie. Viens te battre. T'approches pas de moi. Ou sinon, tu auras affaire avec Boomerang Atoll. Ah bah voilà. Celui que j'imaginais est arrivé. Harold. Harold le magicien. Salut Harold. Et lui, ça sera le premier PNJ auquel on pourra lui acheter des choses. Oh. Ah, il ne me vendait pas ça dans mon monde. Ça va être extrêmement utile. Ça sera pour mettre l'argent. Ça sera pour récupérer les insectes pour pêcher. Et ça sera utile au début. C'est à mettre sur la tête. Et ça fait que dans le noir, ça fait de la lumière. Enfin, partout. Et ça sera pour les potions. Et du coup, les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Salut!